Mardi 23 janvier 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la cave, on est capable pour la deuxième sortie téléjournal pour semaine-ci là. Rapidement, mes principaux points capables pour faire essentiel, la deuxième sortie journal là. Il y a une entente qui joue dans la chambre député entre bloc politique APH, OPL, Vérité à Calier, GPS et GPEP pour formation commission permanente, député d'après député Pierre Jude Destiné. Pendant le week-end, le chef de l'État et le Premier ministre Jacques Lafontaine visité Boudon, deuxième section communale Anse Deno, dans le département Grand dans ce pays, côté le ramassé doléances population haïtienne. Cette rencontre avec l'étude directeur administration fiscale CREDAF a préparé pour réaliser un colloque international dans le pays à sortir 30 avril pour arriver 3 mai 2018 là, en baptême consentement à l'impôt et redevabilité, d'après explication directeur général impôt Miravé Morlan. En actualité internationale, il y a une entente provisoire arrivée jointe entre les militants démocrates et républicains dans le Congrès américain. Toutefois, il y a gagné jusqu'à 8 février 2018 pour jouer une entente finale, sinon l'administration Donald Trump est capable de refaire face à un shutdown. Voilà, ensemble, point ça va qu'un pilote capable pour faire essentiel deuxième sortie du journal. Arrêtez-vous, je vais vous donner un petit moment. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas démarré avec information. Pour nous faire connaître, chef l'État qui est Premier ministre Jacques Guilavantin visité pendant week-end dans Boudon, deuxième section communale en Zeno, département dans ce pays à côté de ramasser doléances population. Chef l'État a été profité, remercier population et puis demandé de continuer à accompagner dans toute démarche la entreprendre pour porter changement dans le pays. Isaïe Aurélie Sac et Wilson Idoria présenter un reportage en nous suivant. Visite a été occasion pour le président de la République, Jovenel Moïse, poser premier roche construction route deuxième section Boudon dans la commune Anse Deno. Route ça qui relie Bouc Anse Deno à deuxième section Boudon, mesure 12 km. Tout ça qui pour qu'on y a en tête, trouvé dans mauvais état, ça qui empêchait population zone ça exploiter différents ressources liées. Construction route ça pral contribuer dans améliorer condition la vie monde dans section communale Boudon. À développement zone ça d'après chef l'État. Route là nous va le mettre là-dedans. Mais j'aime dire nous connaissons que route des deuxième section pour sortir en Zeno pour arriver bon site là. C'est plus ou moins 12 km. Mais là me parle avec député. Député a dit président pour volume manger qui est dans zone là. Route là total pour arriver en Rouanet fait 23 km. Femme dit nous pour aller voir l'équipe technicien de travaux publics pour venir joindre les députés pour nous garder ensemble 12 km là, ça l'a coûté. Reste 11 km, ça l'a coûté tout. Il y a des manger qui ont fait dans le pays, mais on ne peut pas arriver à la ville. Manger ça, on ne peut pas arriver à la ville pour être route. Manger ça, on ne peut pas arriver à la ville parce que n'y a pas de route pour les paysans. Mais nous sommes là. Je dis à vous, nous venons pour route, les amis, là, vous récoltez un mot pour jouer une route pour qu'il passe à qui est. Nous venons pour un crédit agricole pour qu'il y ait un crédit lors de besoin de faire jardin. Le système mini-set, c'est ça que nous avons fait pour faire un fait tout droit. Nous avons fait technique ça qui permet pour tout le monde, cacao qui a planté, yam qui a planté, l'âme véritable qui a planté. Mais nous sommes capables de descendre avec les produits pour aller vendre dans Anse Deno, dans Jérémy, dans Okaï, dans Port-au-Prince. Pendant que tu as adressé à la population, le chef de l'État a annoncé qu'il va continuer pour protéger les paysans et les agriculteurs, section Boudon. Semences, matériel agricole, crédit et intrants agricoles, parmi l'autre bourrade, ils vont le joindre. Quand il y a des banques de mauvais âme, nous demandons des routes, nous demandons des banques agricoles, nous demandons des crédits agricoles. Yeah! Nous faisons paysans dans la Tibonite bénéficier en prêt agricole à 0% intérêt. Nous comment ça veut dire? Zéro, ou pas payer un coup d'intérêt. Et je vais annoncer ça aujourd'hui dans la deuxième section. Premier ministre là, pour le tout ramasser. Depuis nous avons commencé dans la Tibonite, parce que tout paysan c'est paysan, tout agriculteur c'est agriculteur.
m'bral blaye sur tout pays à faire 0% d'intérêt supposé sur tout pays. Pas de question pour un paysan besoin acheter un outil agricole, il besoin acheter un train pour l'aller prendre coup de pont ya. À travers ces visites, chef l'État a entendu fournir garder jean population à vivre et puis porter solution à salab vivre comme problème. Si moyen tout pour permettre président de la République, Jovenel Moïse, évaluer commencement une série de travail sous terrain et puis encourager avancement. Yon. Merci avec collaborateur Noézaïe Aurélus. Dans l'occasion 30e conférence le lundi de la presse dans le ministère communication, recevoir à lundi 22 janvier directeur général Impôt Mira Desmorlan. Dans l'occasion, directeur général DGIA Mira Desmorlan présenté bilan réalisation li équipe client dans institution ça qui là pour exercice passé à nouvelle mesure qui a disposition qui déjà prend pour nouvelle année fiscale là. Reportage Rachel Sifouak, Hervé Pierre. Collecter 50 milliards de gouttes, c'est prévision responsable direction générale impôts de GRI pour l'année fiscale 2017-2018. Là. Pour collecter l'argent, ça, directeur général impôts Mira Desmorlan annonce un ensemble de mesures qui visait permettre de contribuer à bio payer plus bien et puis chercher l'autre secteur qui n'est pas exploité tant que le secteur littoral et fermier l'État, les gens qui exploité bien l'État qui n'est pas payé de taxes pour entrer dans le système. Là. Pour l'exercice dernier, nous avons une prévision de recettes et prévision initiale de 33 milliards de gourdes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il était passé à 35 milliards. Malgré ça, nous atteignons une prévision ça avec un écart positif 33 milliards, nous faisons plus de 36 milliards. Pour l'exercice fiscal 2017-2018, étant donné que nous avons fait toute ça, nous avons fait comme et recettes pour l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2016-2017, vous connaissez toujours, il y a toujours révisé prévision à la hausse. Il y a une banou, il y a une prévision de recettes au lieu de 36 milliards, devant une prévision de recettes de 41,5 milliards de gourdes pour l'exercice ça. Mais nous n'avons même pas un budget rectificatif avec exigence temps fait nous, avec. Nous connaissons graisse cochon, cap cuit cochon jusqu'à présent. Gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle à voilà, ce n'est pas question de 41 milliards. Encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous connecter et collecter pendant l'exercice fiscal. Et je dis, nous cibler l'autre secteur qui n'est pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. Qui secteur? Pas de rien, pas de secret dans ce coup-là. Qui secteur me parler où? Secteur littoral là. Secteur monde qui c'est les fermiers de l'État. C'est la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Tout le monde qui gagne bien l'État dans main ou exploité. Tout le monde qui gagne terrain l'État dans main ou exploité. Tant dans la zone métropolitaine que dans les villes de province. Eh bien, n'a pas marché vers Mounsa. 30e barrette lundi la presse là, c'est occasion pour le directeur général de GRI, Mira Desmorlan, parler sur plusieurs bâtiments déjà construits dans la ville provinciale qui respectaient exigences technologiques dans l'idée pour améliorer la qualité de service et offrir la population. Le directeur général là a profité l'occasion pour demander à tous les citoyens pour faire déclaration définitive d'impôt pour ne pas tomber en bas sanction la loi. Nous gagnons des villes là, nous pourrons inaugurer très prochainement. Je suis capable de dire nous que d'ici à vendredi 3 février, nous pourrons inaugurer un coquet bâtiment au Gonaïve. C'est la direction départementale de la Tibonite qui est totalement informatisée et qui tout gagne un centre CALDI dans le bureau ça, qui est prêt pour recevoir contribuables parce que nous avons des présidents à Poney. Qui sont des services de proximité. Nous avons tendance dans ce temps, nous avons commencé à faire ça, mais le président vient dans l'autre sens lui-même. Côté que, c'est là, dans ce sens-là, où qu'a tout fait passeport, où qu'a fait matricule fiscale, où qu'a fait carte d'identification nationale, où qu'a fait extrait des archives, dans le même sens-là. Mandez tout haïtien, sans distinction aucune. Nos portes nous toujours été ouvertes. Pour nous venir dans DGI, venir produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parce que date d'échéance impôt sur le revenu, c'est du 1er octobre au 31 janvier. Mira Desmorlan fait qu'on est DGI sur une bonne base sur le plan technologique.
y a travail pour informatiser DGI totalement sur tout territoire et puis dans le système non pour combattre l'évasion fiscale, augmenter les recettes fiscales. Nous avons toujours été ensemble avec Rachel Saint-Fort pour nous faire connaître un contact étude administration fiscale CRIDAF à Paris pour réaliser un colloque international dans le pays sorti 30 avril pour arriver 3 mai. Activité ça a déroulé sous thème consentement à l'impôt et redevabilité d'après explication du directeur général Impôt Amira Desmoulins qui a intervenu dans l'occasion 30e conférence de l'Indu de la presse dans le ministère communiste. Environ 90 délégués capables de présenter plusieurs pays, capables de représenter plutôt plusieurs pays, membres d'organisations après-guerre pour capables de participer dans l'activité. Si là, d'après précision, Mira Desmoulins, on a toujours invité à suivre un extrême courage à l'Essinfort avec Wilson Idori. Nous connaissons CRIDAF, ce centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Moi-même, je parle avant là, c'est vice-président CRIDAF. Qui regroupait tout pays francophone de l'Afrique, également la France, le Canada, la Belgique. Nous prenons plus de 80 ou 90 délégués pour rentrer dans le pays là. Pour nous capables de réaliser plus gros événements CRIDAF là. CRIDAF toujours fait des événements chaque année, 3 événements parmi toutes les salles qui sont plus importants. C'est groupe de travail, séminaire et colloque. Nous réalisons groupe de travail là déjà. Nous réalisons colloque là déjà en avril 2016, si je ne m'abuse. Séminaire en avril 2016. C'était sur la question de fiscalité des industries extractives. Nous avons réalisé dans l'hôtel Royal Oasis. Mais aujourd'hui, si je dis que c'est vice-président CRIDAF, nous pas réaliser plus gros événement tout profiter mi quoi là pour nous inviter nous mettre écrit ça dans nous mettre prendre note pour nous connaître du 30 avril au 3 mai prochain nous pas réaliser événement ça sur les côtes des Arcadins dans l'hôtel de Cameroun pral gagne en pile monde son bagage extraordinaire qui pral regrouper en pile pays parce que nous c'est membre CRIDAF. Et que là nous pas organiser là ma président CRIDAF là ça déjà invité nous pour nous venir en foule pour nous venir en grand nombre et que thème nous pas développer là c'est consentement à l'impôt et redevabilité consentement à l'impôt et redevabilité donc c'est thème ça que nous pas sous thème ça que nous pas réaliser. Nous prenons le Parlement haïtien pour nous faire connaître l'ancien questeur Sénat République, Ricard Pierre, démenti toute parole qui a parlé comme quoi ancien bureau Sénat, qui était gagné en tête, l'ancien sénateur Yuri Latortue, était mal géré premier 3 mois exercice fiscal 2017-2018. Là, sénateur Ricard Pierre dit que c'est seulement 25% dans le budget Sénat dépensé. Sénateur Sud-Est là, dit qu'il n'y a pas entendu, il n'y a pas tant d'instances qui concernent les faits. Audit sous gestion bureau. On a peut-être suivi un extrait dans le micro. Faites-nous un confident avec Moïse Ulbrich. C'est en tant qu'ancien questeur du Sénat pour me répondre à un ensemble d'allégations qui ont fait par rapport à l'ancien bureau que M. Questeur a donné. Confiance ça fait suite à une note qui sortit sur les réseaux sociaux. Une note qui parlait de gestion chaotique du budget du Sénat, qui parlait de disparition de plusieurs milliers de dollars américains, qui parlait de matériel qui acheté, qui pas à livrer, et qui parlait de vol de génératrice. M'a dit pays, Sénat pour exercice ça, t'es gagné un budget de fonctionnement de 2 milliards de gouttes. Budget ça utilisé à environ 25% pendant 3 mois qui sont passés. Ça veut dire sous 2 milliards de gouttes, il y a environ 500 millions de gouttes qui dépensés, qui correspondent à 3 mois sur l'exercice là, et été 1 milliard 500 millions de gouttes environ pour 9 autres mois. Sous divisé
cob qui utilisé pour 3 mois ou après des pensions respectées le principe du 12e que loi sous comptabilité publique pays a établi. Et ou pas qu'à joindre en dans budget ça aucun côté gain des dépenses qui dépassaient ça qui te correspond à disponibilité yo. Yon budget lè ou institution fèl li voyel bay ministère des finances, même les budget a voté un jan nan Sénat, maintenant les finances a posté budget a li posté le jan pal. M'ap explique nou pi bien ça me vle di. Budget gen 7 articles la dan. Et chaque article yo gen plusieurs alinéa. Ou gen doit mettre 100 goud sur article 1. Ou mettez le soit alinéa 1 on mettez 10 goud alinéa 1 2 on mettez 20 goud etc. Les ministères finance a publié budget al mettez tout comme là sur alinéa 1 mais gen ça yo relé dans comptabilité publique réaménagement. Donc c'est ou même à chaque fois suivant besoin moun capable administrer institution qui fait réaménagement en dans article ou pas ka quitter article là ou pas ka sortir dans 1 pour aller dans 2 ou faire réaménagement en dans article là qui correspond à besoin institution. Étant donné que bureau moi te kessé la donne te connaît deuxième lundi janvier tu pral gagner un nouveau bureau. Nous pas fait tout réaménagement pour faire nous quitter possibilité pour nouveau bureau à lui-même faire réaménagement mais enveloppe là disponible près de 1 milliard 500 millions de gourdes. Donc en ce sens moi veux faire pays à connaît que pas de gagner cette gestion chaotique du budget que vous parlez dans notre salle. Toujours au niveau du Parlement haïtien, président bloc OPL avec Alio, député Pierre Jude Destiné, dit qu'il y a une entente qui joint avec bloc politique APH, OPL, Vérité à Calier, GPS, GPEP pour formation commission permanente. APH a gagné 14 commissions, OPL Vérité 3 commissions et puis reste 3 GPEP avec GPS. Tu as dû partager. Il y a un extrait toujours dans le micro fait de Mère Confidence. Nous avons un bloc APH là, qui a un niveau membre qui est vraiment élevé, qui passe 70 et côté yo réclamé et des commissions qui est équivalent à nombre de membres qui ont inscrit ensemble avec yo. Et nous tout là nous te connaissons parce que par un cachet l'ombre de la dan, nous te connaissons yo te réclamé et 14 commissions sous 20. Et te gen 6 qui te rete pour groupe minoritaire. Comme nous même, moi-même, c'est président et bloc Vérité OPL et Allié qui vini en deuxième position, qui a 17 députés. Et ensuite, l'autre moun yo. Nous même, nous te réclamé 3 commissions sur 6 parce que nous gagnons 17 membres. Mais te gen des négociations qui engagées à travers le week-end. Nan, et je pense que quoi que gagne en tête qui pour fin joindre et dans l'autre débloqué qui c'est GPEP et puis GPS. Donc en tant que député je crois faut gagne en tête qui joindre et m'espérer et en va journée en tête la fin joindre pour séance là et capable continuer de merci Dieu. Comité suivi pour financement institutionnalisation parti politique yon en tête collé avec le ministère économie et finance remettre 4 chèques symboliques by quelques partis politiques. Chèque subvention sa yo qui soti nan trésor public là pour renforcer groupement avec parti politique yo et puis faciliter yo gain puis bon représentation dans élection yo d'après porte-parole COSIF COSFIPPA Mathias Pierre, reportage Sainte-Croix-Paquillac, Laure de Lijon-Jacques. Remise de chèque sa yo fait pour permettre groupement et parti politique sa yo répondre à l'ensemble responsabilité yo. Porte-parole comité suivi pour financement et institutionnalisation parti politique sa yo, Mathias Pierre, explique c'est 57 partis politiques qui qualifiés pour recevoir subvention yo. Après plusieurs réunions de travail, ils ont été organisés avec différentes structures politiques. 13 partis politiques avec un montant mensuel situé entre 1 million
et 6,6 millions. 11 partis politiques avec un montant mensuel entre 504 000 et 727 000 gourdes par mois. Et 14 partis perçoivent entre 199 000 et 437 000 gourdes par mois. Et 20 partis reçoivent entre 100 000 gourdes et 107 000 gourdes. Pour qu'il y ait moins de contestation à son application, il faut de bonnes élections. Que seule une bonne loi électorale permanente et une machine électorale bien rodée peuvent garantir. C'est à ce titre qu'un ensemble de recommandations ont été faites pour améliorer le système électoral haïtien tout en renforçant le système politique à travers les partis politiques. Ministre économie et financement, Jude Alix Patrick Salomon, fait connaître financement public sa yo pour renforcer parti politique yo. Pendant lui expliquer, il y a une obligation qui fait avec parti politique yo pour que supérieur des comptes joigne rapport sur dépenses yo. L'administration Moïse Lafontaine, se voulant respectueuse de la Constitution, a prévu dans la loi de finances 2017-2018 les fonds nécessaires pour l'application de la dite loi. En ce sens, elle vient procéder aujourd'hui symboliquement à la remise des chèques du Trésor public aux représentants des partis politiques présents. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Cette décision de l'exécutif haïtien vise à renforcer les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre jeune démocratie. Représentant parti politique Moussa Noa, ancien sénateur Lucas Saint-Ville, salue l'initiative ça, li estime capoter amélioration dans fonctionnement parti politique yo. Besoin que yo finance parti politique yo et des partis politiques yo, mettez yo dans condition pour yo travail mais et pour ka éviter que gen bonne parti gen là yo. Moi même d'accord pour yo augmenter conditions yo pour permettre parti politique yo venir pour gagner parti politique pour fonder un parti politique et pour l'argent pas bailler n'importe comment mais yo t'es obligé de commencer même si gagne parti qui relé qui dit élection pas bien faite etc et parti gagne élu pas de gagne élu mais nous même nous dit faut qu'on côté le commencer donc au fur et à mesure qu'il a porté des amendements à loi on pense d'ici 5 10 ans et n'a bon loi qui répondent mais n'a bon nombre de partis politiques qui puisse sembler à un petit pays tant qu'au Haïti c'est application loi janvier 2014 ans qui permettent groupement à parti politique yo bénéficier subvention ça. Quelques organisations dans opposition politique l'ont manifesté lundi 22 janvier dans plusieurs rues dans Port-au-Prince dans objectif pour dénoncer mauvais propos président américain Donald Trump a utilisé pour qualifier Haïti, Salvador et pays africains. Manifestation ça qui était partie dans quelques zones métropolitaines dans Bel Air, Saint-Jean Bosco à place Dessalines pour passer Carrefour Payen à Carrefour Aéroport et puis était tenté à bout devant tabac ambassade américaine. Parole de Saline, c'est nous qui parlons le peuple haïtien. Où est-ce que nous faisons? Nous pas seulement une conférence de micro. Nous commençons la manifestation depuis devant papa de Saline. C'est vrai. Nous entrons à Foupéan. Nous tombons Bel Air. Nous allons chercher la valasse. Nous tombons à Foupéan pour nous jouer avec Pétionville. Nous convergeons devant l'ambassade américaine. C'est nous-mêmes, peuple haïtien. Qui t'a allé de nous dans Savannah pour nous prendre indépendance non. L'envini, nous te goûmons encore pour nous kembe indépendance non. Comme récompense, en 1915, nous occupons nous. Nous crassons la production paysan, nous crassons le cochon créole, nous crassons la production café, nous crassons la production du riz. Et finalement, nous avons lagué fatra dans Gonaïve qui baille toute qualité de maladie. Partout dans le monde, l'important pour M. Trump qu'on est. C'est nous, même peuple haïtien, qui maman liberté. Avant l'année 1804, liberté c'était pour un petit groupe moun, quelques graines blancs. C'est nous même peuple haïtien, qui te dit liberté faite pour tout le monde. Qui tous ces nègres noirs, qui tous ces blancs, qui tous ces jaunes. Pendant qu'on a dit tout le monde sur la terre,
qui levé campé pour condamner déclaration raciste chargé avec préjugé monsieur Donald Trump. Dans l'actualité internationale, il y a une entente provisoire rivée joindre dans mi-temps démocrate et républicain dans le Congrès américain. Toutefois, il y a jusqu'à 8 février 2018 là pour joindre une entente finale. Sinon, l'administration Donald Trump peut gagner pour refaire face à un shutdown. On a invité à suivre un reportage. Aux États-Unis, un compromis budgétaire a été trouvé pour mettre fin au shutdown, la fermeture partielle de l'administration gouvernementale en vigueur depuis samedi minuit. Engagés dans un bras de fer, sénateurs démocrates et républicains ont conclu un accord qui court toutefois jusqu'au 8 février. Après de nombreuses discussions, des offres et des contre-offres, le chef de file des Républicains et moi-même sommes arrivés à un accord. Nous allons voter aujourd'hui pour rouvrir le gouvernement et continuer à négocier un accord global. En échange du vote du budget, les démocrates avaient réclamé la régularisation de centaines de milliers d'immigrés clandestins, les Dreamers, arrivés jeunes sur le territoire américain. Ce shutdown, un an tout juste après l'élection de Donald Trump, a mis des milliers de fonctionnaires au chômage technique. Voilà, c'est avec information ça et journal la capable je dire mes principaux points qui étaient faits essentiels en deuxième sortie téléjournal là. Il y a une entente qui joint dans la Chambre des députés entre bloc politique APH, OPL, Vérité à Calier, GPS, GPEP pour formation commission permanente d'après député Pierre Jude Destiné. Pendant même week-end, si la chef l'État, le premier ministre, a visité Boudon, deuxième section communale en Zeno, département Grand-Est, côté le ramassé doléances population haïtienne. Centre rencontre avec étude directeur administration fiscale CREDAF à Paris pour réaliser un colloque international dans le pays à sorti 30 avril pour arriver 3 mai 2018 là en baptême consentement à l'impôt et redevabilité d'après explication directeur général impôt Mirabe Morlan. À l'échelle internationale, il y a une entente provisoire arrivée joindre dans mi-temps démocrate et républicain dans le Congrès américain. Toutefois, il y a jusqu'à 8 février 2018 pour joindre une entente finale, sinon l'administration Donald Trump est capable de refaire face à un shutdown. Nous sommes contents avec vous, nous sommes capables de présenter la deuxième sortie téléjournal. Nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi. Restez branchés à la télévision nationale d'Haïti, puisque l'information est prête pour suivre son antenne Radio L'État.